La deuxième étape de l'immobilité, c'est les différentes façons de guider le cheval avec la longe. Donc d'abord de le reculer, ensuite de le faire céder vers l'avant et enfin de le faire céder vers le bas. Donc on va commencer par le reculer, je préfère commencer par le reculer. Je lui demande de reculer, voilà. Alors comme il recule très bien, en fait ce que je vais rechercher, ce n'est pas forcément la vitesse ici, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vraiment la légèreté, à quel gramme il peut reculer, donc à un doigt. À un doigt, ok, super mon grand. Ok. Voilà, et en fait je vais exercer une pression vers l'avant, voilà, pour qu'il avance un tout peu plus vite. Donc ma main n'exerce aucune pression, et puis une fois qu'il est en avant, voilà, très très bien. Ok. Et j'exerce une pression en avant, voilà. Il résiste un petit peu. Je ferme plus mes doigts. Mais il est plutôt... Voilà. Il n'a aucune rectitude, mais il cède. Voilà, très très bien mon grand. Très très bien. Pourquoi j'aime pas faire la pression directement immobile, parce qu'en fait ça crée plus de tension, je trouve. Voilà, là je suis obligée d'aller beaucoup plus fort. Voilà, très bien, pour entamer ma session. Alors que s'il est déjà en avant, c'est beaucoup plus simple. Et avec des chevaux un petit peu émotifs, alors je vais le laisser se gratter, avec des chevaux un petit peu émotifs, et ben ça permet, ça évite en fait qu'il monte en pression, je trouve. Donc je le mets en avant et j'exerce une petite pression en avant. Oui, très bien. Oui, clic. Super. Très très bien. Oui, super. Donc là, on voit qu'une fois que j'ai récompensé, Kairan, il est beaucoup plus... Il est tellement... Voilà. Oui, super. Ok. Voilà. Alors, il y a des chevaux avec lesquels ça va très très bien marcher dès le premier coup, d'autres... ça va beaucoup moins bien marcher. Ben, c'est pas grave en fait, armez-vous de patience. Maintenant, eh ben, je vais mettre une pression directement de l'immobilité. Oui, très bien. Très très bien. Clic. Ok. Oui, clic. Ok, super mon grand. Bon, bon. J'ai pas récompensé avant parce que c'était pas très droit, il s'est énervé un petit peu. Donc j'attendais une meilleure réponse parce que, bon, vous pouvez récompenser par contre si votre cheval il a eu vraiment beaucoup de mal à le faire. Mais comme Kairan n'a eu aucun mal à comprendre ce que j'attendais de lui. Non? Oui, très bien. Ok, alors... je vais vraiment récompenser les petits pas. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez attacher le cheval, en fait, il n'a pas besoin de faire 50 km. Si la longe exerce une pression sur sa tête, il faut simplement qu'il y cède un tout petit peu. Voilà. Et un tout petit peu aussi vers l'arrière. Très bien. En fait, qu'ils comprennent que cette pression n'égale pas panique et anxiété, mais tout simplement quelque chose qui peut suivre de manière assez simple.
Alors, dernière étape que j'aime bien aussi enseigner au cheval avant de l'attacher, c'est tout simplement de baisser la tête. Voilà, alors Kairan connaît le fait de baisser la tête sans la longe. Voilà, mais Kairan baisse. Voilà, très bien mon grand. Mais bien évidemment, attention, ça va pas vous aider si vous voulez, si c'est dans l'optique d'attacher le cheval et d'éviter qu'il tire au renard. Donc il faut vraiment exercer une pression sur la longe. Ok, donc je recommence. Voilà, très bien. Donc vous remarquerez que même s'il connaît le mot baisse, je ne vais pas lui dire parce que le but c'est vraiment qu'il cède à la longe et non pas à ma voix ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, on a fait le tour des choses à faire avant d'attacher le cheval sans qu'il panique. Merci d'avoir visionné la vidéo.